On a quitté notre hôte, Warm Shower, qui nous a accueillis deux nuits. On a pu, chez lui, remonter nos vélos, vérifier que tout allait bien, récupérer la batterie, qui n'a pas marché du premier coup, mais bon, du deuxième coup. Fait connaissance avec Steve, le patron d'Extra Cycle, super sympa. Voilà, et là, on se dirige à l'autre bout de San Francisco pour aller chez Nikki et Marc qui vont nous accueillir et qu'on est très content de rencontrer. Et nous, on va même passer le Golden Gate avec nos vélos. Incroyable! Bon, on est bien chargé, puis on est un petit peu inquiet. Mais ça passera. Alors, cher ami, qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est le début du rêve. Et là, je suis encore un petit peu, un tout petit peu tendu, là. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, pour commencer, on s'est quand même trouvé une piste cyclable, une vraie à l'européenne, qui est quand même très sympa. L'eau à gauche, l'eau à droite. Bon, bien sûr, c'est l'Amérique, alors il y a des autoroutes partout, mais on retrouve quand même des bernaches. C'est vrai, voilà, les bernaches, de bernaches qu'on avait vues l'année dernière dans le nord de la France. C'est vrai ça que c'est une piste cyclable pour commencer, et il n'y en a quand même pas beaucoup aux États-Unis d'après ce que nous disent les quelques personnes qu'on a fréquentées. Enfin, c'est une piste plutôt partagée, piéton, vélo. C'est plutôt sympa. Là-bas au fond, San Francisco, centre-ville, et la baie, les ponts. Ici, on est à Sausalito. Hello. Bon, c'est bon, on nous fait toujours coucou. Cette partie-là, elle est un peu collineuse. Ça monte bien raide, comme chez nous. C'est un rêve. Alors par ici, il y a des petites maisons comme ça partout, dans les collines. On a été logé dans une d'ailleurs, un peu, qui avait un peu vécu. Mais la vue était à couper le souffle. Et le Golden Gate, il est derrière cette butte. Eh bien, le voilà. Le voilà, le Golden Gate. Ah oui, quand même, que c'est de l'allure, hein, de commencer notre route par ce Golden Gate. On voit là-bas au milieu Alcatraz. Il y a beaucoup de vélos aujourd'hui. De toute façon, dans l'ensemble, on a déjà pris deux fois le Golden Gate sur ce petit passage là. Il y a beaucoup de piétons, beaucoup de vélos. Donc on va se marrer.
On longe la highway. On a monté une belle côte pour arriver là. Bien raide. Courte, mais bien raide. Qui nous a donné chaud. Golden Gate, on approche de la fin. On est sorti du Golden Gate, le Pacifique. Et là, San Francisco, à nos pieds, belle petite plage. On a changé d'ambiance. Petite rue, ou grande rue d'ailleurs, perpendiculaire. Des petites maisons qui se succèdent les unes aux autres. C'est peaceful. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Pas beaucoup de circulation. On n'est pas très loin de chez nos autres, d'ailleurs. Les routes ici, elles montent, elles descendent, et elles montent fort. Devant nous, on en a un petit exemple. Il va falloir forcer sur la pédale. Parce que la pente est raide.